vice-présidente, la parole est à Mondane Jacta. Merci. Merci, monsieur le président. En 2018, des hommes et des femmes, des enfants, dorment à la rue toute l'année et par tout temps. Malgré la mise en œuvre de dispositifs d'alerte, de dispositifs d'hébergement et d'accompagnement dans le logement, cette réalité sordide et contraire aux droits des personnes et à nos valeurs persiste. Les personnes dans ces situations sont rencontrées quotidiennement par les services publics et par les bénévoles des associations. Ceux-ci interpellent les services de l'État et les collectivités locales face à ces drames. C'est ainsi qu'Un Toit pour tous a mobilisé un collectif en lien avec la Fondation Abbé Pierre et l'Institut de géographie alpine pour réaliser une nuit de la solidarité auprès des personnes à la rue ou dans des hébergements temporaires et non pérennes. Cette nuit doit être l'occasion de nous mobiliser comme bénévoles et avec les moyens de nos services publics pour aller au-devant des personnes et mettre en avant leur existence et plus concrètement avoir connaissance de leur situation. Ceci afin de pouvoir collectivement renforcer nos actions et notamment permettre l'accès aux droits de ces hommes, de ces enfants, de ces femmes vivant à la rue. Notre groupe votera évidemment pour cette délibération.